Un bon atelier, pour moi, c'est un atelier qui est grand, très grand. Plus il est grand, plus c'est un bon atelier. Parce que d'abord, je fais des tableaux qui sont grands, et j'ai besoin de les voir de très loin. Je me souviens d'un atelier que j'ai eu, un ancien chantier naval, et je m'étais dit, je ne vais jamais réussir à investir un lieu pareil. Et en vérité, au bout de 2 mois, je me sentais extrêmement bien, j'avais besoin de marcher, je pouvais entrer en voiture dans l'atelier. À la limite, là, travailler dans la nature, ce serait le meilleur atelier. L'atelier ne modifie pas l'œuvre, mais l'influence. Surtout pour des lieux comme des lieux industriels, des lieux qui ont une mémoire. Les grands sites, ça peut être un palais, ça peut être une cabane, ça peut être des lieux dans lesquels il s'est passé des choses, diffusent un parfum poétique qui est une vraie matière pour faire des œuvres. Ce qui convient, c'est de se saisir de la peinture ou d'autre chose pour dire sa singularité. C'est la seule chose qu'un être, et évidemment un artiste, puisse apporter. On ne voit pas, chacun d'entre nous, le monde pareil. Si on trouve le moyen de le dire, c'est-à-dire de faire une œuvre singulière, on réussit. Parce que ce qui est singulier et bien exprimé est universel. C'est un mystère, hein, j'en conviens, mais c'est un mystère qui fonctionne dans la littérature, qui fonctionne dans le cinéma. On rejoint le groupe en exprimant ce qui vit au cœur de soi. La peinture, moi, j'ai jamais trouvé un médium plus efficace que celui-ci pour dire non pas le monde, singulièrement le monde aussi, mais la relation que j'ai avec lui et ce qui vit en moi. Moi, j'ai pas tellement de journées de type. Pour autant, il y a des rythmes qui sont plutôt des rythmes de saison. J'aime beaucoup travailler la nuit durant l'été. J'aime le matin durant l'hiver. J'aime bien aller à la fonderie en demi-saison. On ne peut pas créer l'inattendu, bien sûr, mais on peut créer les conditions de l'inattendu. Et dès lors, l'idée d'un rythme imposé, je sais que certains artistes diraient l'inverse. Et moi, j'ai besoin d'une espèce de chaos, comme ça, intérieur et extérieur, pour faire mes œuvres. Alors la chose, c'est que je travaille par séquence. Je ne peux pas faire de la peinture le matin et de la sculpture l'après-midi. Il me faut une immersion, il me faut un temps d'immersion, il me faut vraiment cette période féconde pour moi de l'immersion totale. Et il faut un petit sas entre le moment où je quitte une activité pour une autre. Au début, je travaillais dans des ateliers qui n'étaient pas à moi, que je pouvais des bâtiments que je récupérais pendant l'été, ce genre de choses, et j'ai pris goût à ça. Je me suis aperçu que j'avais profit à cette idée de l'atelier nomade. Je l'ai même un peu théorisé, beaucoup exploré à travers le monde. J'ai fait des séries d'œuvres ponctuellement à Moscou, à New York, au Japon, en Chine, un peu partout. Et j'y ai pris goût parce que ça ne marche pas très longtemps. Mais c'est une vraie manière de renouveler son travail. Ça fonctionne quelques semaines, quelques mois. Après, l'habitude, tout reprend sa place. Je crois que c'est le travail d'un artiste, ça. C'est de sortir de son esprit des visions, des concepts, des intentions, peut-être même des solutions qu'il entrevoit, et de les incarner dans le réel. Moi, je ne crois pas à l'univers virtuel. On est dans un monde incarné, on est fait de chair et d'os, et on ne sera jamais heureux dans le virtuel. On ne peut pas se désincarner, c'est structurellement impossible.